Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Elite Dangerous Horizon, toujours à la recherche de matériaux, on va dire ça tout simplement, pour notre Dweller, le fameux ingénieur méchant. Nous avons 11 de soufre, c'est 21 de soufre qu'il faut, enfin on a 21 de soufre, il en faut 1. Nous avons 11 plaques de dissimulation thermique, il en faut 2 par truc. Donc techniquement il nous en faudrait 42 si on voulait utiliser tout notre soufre. Ce serait peut-être même pas mal d'en avoir 42, ce qui permettrait de faire les différents... Hop, je vais juste reprendre la souris le temps de faire ça. De réutiliser les différents niveaux un maximum. C'est pas aujourd'hui que je vais devenir riche effectivement. Et donc pour ça nous sommes dans ce point à la recherche de vaisseaux entre guillemets de type... Voilà, de type adder on peut le dire hein. Des vaisseaux de type de transport, simplement pour espérer pouvoir... récupérer un maximum de ces matériaux thermiques. Je m'embête un petit peu avec ces paillettes celui-là. Hop, si moi je tape par contre ça fait beaucoup plus mal. Ok. Qu'est-ce que tu vas lâcher? Non, rien du tout. Il y a une chier de Cobra MK3, cela dit. Impérial courrier, on va essayer de se le faire. Mais j'ai peur qu'il soit malheureusement en... Comment... En... Entre guillemets, en platoon, j'allais dire. Ah ben non, en escouade avec d'autres gens. On va bien voir, mais je pense qu'il est en escouade avec deux Cobra MK3. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est beaucoup moins bien. On va quand même essayer, mais je veux bien... Pour le fun, je veux l'essayer. Du coup, on va toucher les zones intéressantes. On va faire attention cette fois-ci. C'est bête, il... Ça touche ou pas? Putain, il a arrêté, quoi. Il s'est arrêté en plein vol. Hop. Si je fais ça comme ça. Hop. Ils sont déjà deux à m'attaquer. Celui-là c'est fait. Faut que je m'occupe des petits d'abord. Les petits d'abord. Il me reste une cellule d'énergie. J'ai intérêt à gérer mon coup. Hop. Crac. Non, non, il est pas online. Hop. Voilà, lui, je l'ai eu. Et il y a Bower maintenant à essayer d'avoir. Bower, c'est pas le flic dans Die Hard 4 de mémoire. Qui apparemment est un des pires Die Hard, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, à vrai dire. Hein. Moi je l'ai trouvé sympathique à regarder, même si le 3 était pour moi mon préféré, avec Samuel L. Jackson. Et surtout Jeremy Irons. Hein. Surtout Jeremy Irons. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant dans le coin, du coup? Non, rien du tout. Ils n'ont rien lâché d'intéressant. Ok. On va essayer de se déplacer sur lui, là-bas. On vit son générateur. On va essayer des choses. On va essayer de le rattraper, déjà, ça serait pas mal. Oh, ça touche pas! Mais mon tir était parfait! Oh, je suis vexé! Putain, il est rapide par contre. Hein. Il est bien plus rapide que moi. Oh là, il s'est fait déjà tirer dessus apparemment. Est-ce qu'on attend le moment propice ou pas? Oh la vache, il s'est fait défoncer surtout lui.
Hop. Crac. Ouais, je pense qu'il va me faire beaucoup plus mal que les deux, que les trois autres réunis. On va se voiler la face. Hop. Mais on a atrocement besoin de cet armement. On a atrocement besoin de cet armement. Allez, explose. Parfait. Dis-moi que tu vas en lâcher. Protection composite, bouclier. Nanana. Non, rien du tout. On a un Viper MK3. Un Fédéral Dropship. Fédéral Dropship, on a de grandes chances de perdre si on va au, si on va le s'y frotter, entre guillemets. Surtout s'il est en escouade, et la plupart sont en escouade, justement. Tiens donc. Il n'est pas en escouade. Intéressant. Ok. On va venir voir un petit peu ce dont il est capable. J'aurais aimé avoir eu le temps de tirer mon coup. Dit comme ça, c'est stupide. Hop les, bonjour. Hop. Il n'a pas encore tiré dessus, je crois. Pour être honnête. J'ai réussi à rester dans son angle mort, plus ou moins. Oui. Bien, Marcus, bien. Ah, il va réussir à tirer dessus. Ouah, non, dommage. Honnêtement, avec un peu plus de chance, il aurait réussi. Rien qui ne m'intéresse, cela dit. Dax, Dax, t'es où? Parce que Dax, t'es un adder. Donc Dax, bah tiens, t'es juste à côté de moi, ça tombe bien. T'es tout seul, en plus, j'imagine. Boum. Mes tourelles vont faire le boulot. Ce que je disais. Il a largué son cargo histoire de voir si je... Son cargo, pardon. Histoire de voir si... Si j'allais arrêter l'attaque. T'as cru, toi. C'était bout de vaisseau qui m'intéresse. C'est pas autre chose. Carburant à base d'hydrogène. Adder. Tiens, non, un autre adder. Un Vulture. On va plutôt aller voir le adder. Qui est très très loin, soit. Ça va nous faire bouger un petit peu, c'est pas plus mal. Moi je recherche plus, je dirais. Oh la vache. Il est en train de miner en fait, j'avais pas capté. Vous voyez le rayon de très très loin, il est en train de me dire mais qu'est-ce qu'il fout. Big G, c'est quoi? Le Vulture. Ça aurait été un plus gros vaisseau, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui. Hop, boum. Boum, bitch, get out the way. Oh, attends, c'est pas un adder qui va me faire peur normalement. Hop, c'est pas un adder qui va me faire peur normalement. Crac, voilà. Ok, qu'est-ce que t'avais sur toi? Processeur chimique quand même. On va essayer d'aller le chercher. Alors, comme d'habitude, vous m'avez dit, chers amis, moins de 10. Moins de 10. Et dans la zone. Bah d'accord. J'ai été mauvais pour le coup là. Ok. Moins de 10 et dans la zone, on est dedans là. Normalement. Hop, voilà, je peux pas être mieux. Bah non! Je l'ai loupé! Ah bah, je l'ai eu en marche arrière, allez comprendre. Ok, je l'avoue, là j'ai envie de me frotter à l'Imperial Creeper. Surtout qu'il a tenté quelque chose en me parlant. En plus il se fait défoncer. J'ai pas visé bien. Pas aussi bien que je l'aurais dû. Ça devrait même être suffisant.
toute façon, ces générateurs sont complètement morts. Hein. Donc là, c'est plus qu'une question de temps, honnêtement. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Émetteur de bouclier, protection composite. Non, rien du tout. Hein. Encore une fois, rien du tout. Joe Jim. Ah, attendez, j'ai cru voir. Non, Cobra MK3, dommage. Joe Jim, tu es où? Scan detected. Je croyais qu'on tirait dessus, c'est pas d'un instant. Alors. Oh, mais trop, bien trop. Bien trop, Marcus, fais attention quand tu tires avec ça, ça coûte cher les munitions. Mais Tourelle devrait être en mesure de faire le reste. Oula, excusez-moi. Pas concentré sur. Tu es concentré sur les touches en fait. Matériaux composites, composants conducteurs, toujours rien. Toujours rien, par contre il y a une escadrille de Eagle qui a l'air de foutre son caca un petit peu partout. Du coup je pense qu'on va aller résoudre un problème de petit oiseau. Oui, Eagle, petit oiseau. Hein. Comparé au Python, je suis désolé, hein, je suis un peu un plus gros vaisseau. Ils sont 4 cela dit. Je dois avoir mon récupérateur d'ouvert, d'accord, ok, on va comprendre. Retracted. C'est mieux comme ça. Ok. Les phares sont allumés. Oui, d'accord. Ah oui, effectivement, ils sont allumés. Bon, cela dit, ils sont assez loin. Donc si... Ah, si mieux se présente, justement. C'est justement ce dont j'étais en train de parler. Hop. Je dois vous avouer, j'ai hâte d'aller tourner du Technomancer et du Star Wars, là, juste derrière. Technomancer est beaucoup plus exigeant que ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à un jeu presque un petit peu trop facile. Et au final, bah, chaque coup que vous prenez, vous le sentez passer. En tout cas, au début du jeu, c'est comme ça. Get a little crazy. Triste le changement que j'ai dans la tête. Hop. Ok. Mauvais. Tellement mauvais. Allez. Bon tant pis, je voulais l'avoir avec un coup de d'accélérateur à plasma, mais ce sera pas la peine. Boum. Ok. Carburant, émetteur. Ah, on trouve rien là pour le coup là. On ne trouve rien aujourd'hui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Où est la balise de navigation? De navigation. La 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 la. Bon là, il y a de la glace, hein. C'est joli quand même. Merde. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Ça, c'est un pauvre Sidewinder. Mais j'aimerais en fait retrouver la balise, moi c'est... C'est si compliqué que ça, Jed. Ok bah écoutez, il y a du monde en haut, on va aller voir là où il y a du monde. Boum. On va aller voir un truc juste devant ma gueule, bonjour. Ah, ils sont nombreux je crois là. J'ai attaqué un petit peu en mode il me fonce dessus. Du coup, voilà. Je risque de le payer. Même si normalement, si c'est que des... Ah non, c'est un Viper. Ils sont nombreux, c'est un Viper avec les MK... Ah putain, c'est le Viper avec les Eagles. J'aurais pas m'attaqué au Viper en premier, mais bon. Il le faut pour le coup, là. Allez, bute-le. Parfait. Et de 1. J'ai plein des boucliers. C'est pas grave, on va les avoir et on va les faire réparer, ça tombe bien. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé se faire un petit peu brosser la peinture.
Cela dit, ça commence à faire du monde sur ma tronche. Il faudrait que j'aille renlever mes trucs. ...77, ça commence à faire beaucoup. Allez, Marcus, tu peux le faire. Ils étaient 4, tu peux le faire. Putain, c'est quoi? C'est un appel à gueule. Non, c'est un eagle. Excusez-moi, j'ai cru que c'était autre chose. Qu'est-ce qu'on avait là? Et ils avaient rien sur eux qui ne m'intéresse. Donc... Vassiliev Port. Hop. Champ gravitationnel, d'accord. On va savoir. Ok, on y va. Ah, oh, c'est joli, c'est joli. Je rêve ou le... Est-ce que le FOV s'est refait? J'ai l'impression que le FOV s'est refait. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. En plus, il est derrière. Ah, bah, c'est ma faute. Déjà, les boucliers, je peux en mettre un peu plus dedans. Est-ce que je peux sortir du champ gravitationnel, s'il vous plaît? Merci. Facteur de masse perturbatrice, génial, je suis suivi, clairement. C'est ce que ça veut dire, hein. C'est exactement ce que ça veut dire. En espérant qu'à Vassiliev Port, il y ait de quoi réparer et ravitailler le vaisseau. Bon, on y va. Crac. On va quand même checker ça avant de... enfin, le temps d'y aller. Arrêt trop près? Seriously? Je vais peut-être me mettre dans cette direction-là, précisément. On va attendre un petit peu. Vassiliev Port. Carte de la galaxie, carte du système. On va aller voir dans le carte du système. En espérant qu'on ne se fasse pas agresser. Il y a déjà quelqu'un derrière nous, il y a quelqu'un devant nous. J'aime pas ça. Hop, on va aller voir ça vite fait. Vassiliev Port. Réparation. Il n'y a pas de... On va plutôt aller là. On va plutôt aller là pour la simple et bonne raison que ce soit une base de la Fédération. Voilà. Soyons un petit peu plus RP. Merde. Cherry Port. Ok. Le port des cerises. Car il est bien court le temps des cerises. Bref. Pour Corosso, c'est un bon film. Allez le voir. Téléchargez-le s'il le faut. Achetez-le en DVD. Il est sorti en DVD en version remasterisée. C'est vraiment très très bien. Un très très bon film. C'est du Miyazaki quoi. Donc il peut pas faire de mauvais. Il a pas encore réussi à faire un mauvais film. Il en a fait des moins bons. Forcément. Parce que bon, quand on est excellent, on peut pas non plus être tout le temps excellent. Mais allez voir Porco Rosso, c'est vraiment une perle. Une véritable perle, chers amis. Bon. Direction Cherry Port. Hop. Alors, comment on va appeler cet épisode? Hop, je sais. L'esprit du dogfight. Hop, voilà. Il faudra que je regarde aussi au niveau des rangs de l'Empire. J'aimerais bien me payer un Imperial Eagle, un de ces quatre. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, mais il y a plein de choses que j'aimerais me payer en ce moment. C'est l'Imperial Eagle, l'SP Explorer peut-être. Ça peut être sympa si on veut changer un petit peu notre... notre façon de faire les choses au niveau du gameplay de cette série. Mais bon, j'aimerais bien en fait que le moment où j'achèterai cet SP Explorer, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres types de SRV. Là actuellement le SRV c'est un SRV entre guillemets de... je dirais de... on va dire polyvalent. Et j'aimerais des SRV un peu plus basés sur l'exploration, un peu plus solide par exemple. Et peut-être avec différentes formes, j'aimerais bien. Mais bon, c'est pas encore prévu apparemment. Peut-être pour la 2.2, hein, peut-être qu'il y aura plus de SRV dans la 2.2. Je sais pas.
comme la nécessité d'être plus longtemps sur les planètes avec la comment la 2.1, peut-être qu'ils devraient améliorer ça de ce côté-là. Mais enfin bon, on verra bien le moment venu. Ça sert à rien de spéculer un petit peu trop longtemps. Alors, Cherry Port. De New Theb. Oh la vache, de New Theb. Theb, c'est pas une ville antique ça par hasard? Alors, une ville grecque? Theb. Ça me dit quelque chose. Theb, un tas de problèmes, c'est pas ça qu'il dit dans Hercule? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ok, on arrive. On arrive, on arrive. Je garde le doigt sur l'accélération. On va accélérer un petit peu maintenant qu'on a atteint les 500. Ce qui permet de garder une avance correcte. Voilà. Et de nous rapprocher plus rapidement. Est-ce qu'on va atterrir en face cette fois-ci? S'il vous plaît. En face. Oui! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? Le jeu est malade. Le jeu est complètement malade. Bonjour. Limite, du coup, ça pourrait être intéressant de venir là-dedans pour faire quelques missions pour eux. Hop. Un excès de vitesse, excuse-moi. Excuse-moi. Je réduis ma vitesse, excuse-moi. Je me mets sur la gauche aussi, tant qu'à faire, histoire que tu puisses être heureuse quand je vais te pénétrer, Cherry Port. 3, 4, 5, 6. 7, et c'est raté. Plateforme numéro 7, nous justement, on va là-bas. Hop. On sort le train d'atterrissage. Hop. Landing gear deployed. Crac. Hop. Crac. Voilà, en douceur. On entre dans l'hangar, service de spatioport. Compte tenu de la possibilité qu'il y ait besoin d'autre chose... alors, 25 000 déjà, ça fait mal aux fesses. Contact. Contact, contact. Parce que oui, du coup, j'ai rien ici. Marché noir, il n'y a rien non plus. C'est presque dommage. J'en dis naval pour le fun. Ils ont 3 vaisseaux, donc ça va pas type 9 et un hauler. D'accord, ok. J'aimerais bien qu'il y ait plus de type 9 dans la zone, ce serait plus intéressant au niveau des gains potentiels. Ok, ok, ok. Cartographie, on n'a rien normalement à revendre. Tout à fait. Pour le fun, tableau des missions. Alors, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Non. Charge, patienter. Bref, loading. Ah, ça y est. Ah bah tiens, du coup il y a l'Empire aussi je crois. Non c'est l'Alliance, ah mince, excusez-moi. Je suis dans la colle. Fédération, fédération, il y a 3 fédérations. Ça peut être intéressant ça, dis donc. 84 000, 84 000, 41 000. Bon bah écoute, c'est pas faramineux. D'accord. Qu'est-ce qui m'en empêche? Laurent, la mission, il est possible que vous ayez avancé votre mission. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas? Ah oui, il faut que je sois ami cordial, pardon, carrément cordial. Ok, d'accord. Et ici, d'accord, transport de trucs, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, il y aura peut-être des choses à faire dans les prochaines fois où je reviendrai me connecter. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trouver le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et non, j'ai chié dans la colle, il m'en faudrait un 20e, s'il te plaît. Merci. Hop, voilà, salut!